C'est le moment du panier gourmand, nos conseils aux cinéphiles. À vous, Xavier. Je vais vous recommander 600 euros, c'est un premier film signé Adnan Traga. Alors 600 euros, ça pourrait être le budget du film parce que Adnan Traga a tout fait tout seul, effectivement, pour très peu de moyens. C'est aussi le montant des prestations sociales. C'est un film qui se déroule à la veille des élections, des dernières élections présidentielles et qui met en scène un abstentionniste ex-militant, une jeune fille qui vote pour la première fois et un type qui est au chômage depuis très longtemps et qui s'apprête peut-être à voter pour l'extrême droite, pour le Front National. On se dit, mon Dieu, c'est un film qui pose et qui dispose comme ça de manière un peu manichéenne, sauf qu'il y a une énergie, il y a une envie justement de militer pour la cause, de l'engagement social, de l'engagement citoyen. C'est un film qui déborde d'envie de faire de cinéma et qui en même temps une vraie rigueur, une vraie maîtrise. Donc pour moi, c'est vraiment une des révélations de cette semaine. C'est effectivement un film qui paye le prix, j'allais dire, de son manque de budget, mais qui en même temps a une vraie conviction et de cinéma et de scénario. Donc chouette.